Mes amis, il ne faut pas se planter. D'accord ? Je ne dis pas que ce n'est pas bien ce qu'on fait. C'est très bien ce qu'on fait. On fait Baruch HaShem énormément de beaucoup de choses. Des bonnes choses. On avance Baruch HaShem. On avance, je ne dis pas. Mes amis, ne regardez pas mes paroles comme des paroles qui vous détruisent. Ce n'est pas des paroles qui vous détruisent. C'est des paroles... je vous jette de l'eau froide sur votre figure. C'est ça ce que je suis en train de vous faire. C'est juste pour vous rafraîchir. C'est juste pour... t'as endormi, là je te... Oh là là, c'est quoi ce réveillement? C'est de ça que j'essaye de vous faire. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a un paquet de cadeaux. Il attend, il a dit, oulala, mais quand vous allez venir? Il y a des portes à franchir. Et nous, on est là, on dit, ah, c'est très bien. Nafran, c'est bien aussi. C'est très bien, ça aussi, de se contenter de ce qu'on a et de dire merci. C'est ça, c'est bien. Mais il faut avancer encore. Il faut avancer. Quand l'iPhone 5, il est sorti, tous, ils ont acheté le 5. Quand il y avait le 6, il était exactement pareil, ils ont acheté le 6. Quand il y avait le 7, il était exactement pareil. Il coûtait double et tout le monde l'a acheté quand même. Il n'y a pas pire que ça. Il y en aura un 8e, hein. Il y en aura un 9e, il y en aura un 10e, et on sera des ânes avec le 9, le 10, le 11. Non, mais ça veut dire... Tu as bien compris de quoi je parle. Si, c'est la bêtise comment on est à tarpette dans ce monde-ci. Ça veut dire on fait des choses qui nous dépassent sans savoir pourquoi. Par contre, on ne fait pas des choses qu'on a vraiment besoin, et là on se pose énormément de questions. Arrête! Tu t'es posé de question si tu l'achètes le 7 ou pas? Non, alors on ne te pose pas de question pour la Avodat Hashem. Avance, continue, parce que Rabbi Nachman, il a la possibilité, il faut y croire, mes amis, il faut y croire. Là, Rabbeinu, il nous dévoile un secret. Rabbeinu, c'est du feu en vous brûlant, pas en brûlant. En réchauffant. En vous réchauffant, j'arrive à faire la différence entre le mal et le bien. Et au moment où tu crois que c'est là où tu es le plus naze, en fait, c'est là où tu es en train d'être réparé. De te purifier. C'est là où il faut prier. Mais va, dai. C'est quand un docteur il fait une opération que c'est complètement en délire. C'est quand il a terminé son opération, que il est rempli de sang dans toutes ses mains, tout est rempli de sang, mais là, il a tout terminé. Et là, il recoue. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne de cette façon-là, que c'est le moment le plus délirant dans ton Avodat Hashem, que tu crois que c'est le plus grave, mais en fait, là, tu es en train de te débarrasser de ton mal qui est en toi.